Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être encore avec vous, mes chers amis. Comme vous pouvez constater, tout ce qui se passe dans le monde, c'est son miroir. On peut dire que c'est un miroir que nous l'avons vous montré depuis 30 ans. Grâce à Dieu, aujourd'hui, grâce à l'Internet, et l'archive vivante présente sur l'Internet, vous pouvez constater, que ce soit par nos émissions radio-télévisées, ou par nos écrits, nos articles, ou nos livres, nous avons dessiné pour vous ce que nous sommes là aujourd'hui, à cause de fanatiques religieux, à cause de l'islam politique. Parmi plusieurs livres que nous avons écrits depuis toujours, nous avons constaté que si on n'apprend pas de l'histoire, nous sommes obligés de répéter et revivre l'histoire. Mais heureusement, nous avons des gens sages, intelligents, des services intelligents dans l'Europe, surtout en France, qui veillent pour la sécurité du pays, et même on peut dire pour l'Europe et le monde. Mais de l'autre côté, les fous, ils continuent à avancer. En plus, de nos émissions, toujours on avait dit quel est le danger de politisation de l'islam ou quel est le danger de l'islam politique. Cet islam politique, maintenant, aujourd'hui, n'est plus politique. Il est devenu militaire. Militaire, et vous constatez comment et tout, il massacre les gens à droite, à gauche. Mais malheureusement, de temps en temps aussi, nous devons encore donner des leçons, selon l'expérience que nous avons, pour que nous soyons plus vigilants. Par exemple, aujourd'hui, on a décidé de combattre Daesh, le gouvernement islamique, qui vous pouvez constater sur l'Internet ce qu'ils font. Alors, pour écraser ce mouvement, on ne peut pas aller voir les gens qui ont créé ce mouvement. Parce que j'ai entendu dans les informations, ils nous disent que ce sont les pays arabo-musulmans qui ont financé et créé ça. Il y avait des camps de formation, on peut dire, en Turquie, en Arabie Saoudite, et l'argent de ces pays-là, c'est-à-dire les Émirats et tout ça. Alors maintenant, en allant chercher ces gens-là pour combattre et pour créer une autre armée pour combattre ces groupes, c'est un peu douteux. C'est un peu, je peux vous dire qu'on tombe dans le piège de pétrodollar encore. Pour ça, il faut réfléchir attentivement. Et surtout quand, par exemple, ils nous disent... Conférence de Paris lundi dernier, l'Iran n'était pas invité. Imaginez-vous l'Iran soit invité ou pas invité. Il y a cette guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et l'Iran, il est présent si les représentants d'Irak sont présents. Puisque le gouvernement irakien, depuis la chute de Saddam Hussein, c'est un gouvernement iranien. Je ne parle pas de chiites ni de sunnites, puisque tout ça, c'est de la blague. Il n'y a pas de chiites, sunnites. Il n'y a pas d'idéologie, c'est histoire de pétrodollar et pouvoir et puissance. Qui va parler, qui va dire dernier mot dans le monde musulman, Arabie Saoudite ou Iran? Parce que même en Iran, comme en Arabie Saoudite, il soutient depuis toujours, il finance plusieurs mouvements chiites, alawites, qui ne sont pas wahhabites ni sunnites. De l'autre côté, l'Iran aussi, la même chose. Pour ça, je voulais vous dire ça, seulement ça, si l'Iran n'était pas présent dans la conférence de lundi dernier à Paris. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la paix. L'Iran, il veut toujours dire que nous, on ne négocie pas avec les Américains. Nous, on n'est pas d'accord avec l'intervention des Américains, patati patata. Pour ça, c'était tout à fait normal qu'ils ne voulaient pas se mettre à table avec ces gens-là. Mais par contre, ils travaillent en cachette ensemble. Ils travaillent en cachette ensemble, ça vous le savez très très bien. C'est pour l'opinion iranienne. Et opinion du monde arabo-musulman, qui ont, parce que vous savez, ils ont créé pour le monde arabo-musulman depuis Ahmadinejad une bête sauveur, c'est-à-dire un nouveau Hitler, on peut dire, pour détourner l'attention des gens. Alors l'Iran ne pouvait pas être présent, mais il était présent par l'Irak, puisque le gouvernement irakien, c'est un accord qu'ils ont fait, et l'Iran, il a un rôle assez important, qu'il soit chez les sunnites, qu'ils soient chez les chiites, qu'ils soient chez les kurdes. Les kurdes sont mes amis, c'est notre compatriote, pas de problème. Mais l'accord mondial s'était fait comme quoi le président irakien soit kurde, le premier ministre chiite,
président de parlement soit sunnite. Mais toutes ces tendances, ce sont des tendances pro-iraniennes, et surtout les premiers ministres et une partie de ces ministres en Irak sont membres de l'armée de Jérusalem. Mais quoi? C'est quoi l'armée de Jérusalem? Il y a déjà 16 ans, j'ai fait un article sur l'armée de Jérusalem. Il y a déjà 16 ans. 16 ans. Comme quoi, dans les secrets de l'islam, il y a déjà 30 ans, j'ai écrit et j'ai vu l'aujourd'hui. Si on nettoie bien nos lunettes, on voit bien, et quand les gens qui sont experts ont la parole, le monde va mieux, mes chers amis. À très bientôt. Au revoir.